Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Croqueuse de diamants vide le compte bancaire d'une fille en beigne. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Avant de vous donner plus de détails, rendez-vous ce samedi à l'hôtel Joga Palace pour cette grande cérémonie de récompense, les awards RMA Renaissance Music Awards qui récompense les artistes qui chantent pour l'éthique et la morale. Donc, ce samedi, j'y serai. Contactez-le moi aussi pour avoir plus d'informations. Ne manquez pas, c'est un très grand événement, les gars. Ok. Comme vous pouvez voir là, hier m'a contacté pour me faire part de ce problème-là où elle se plaint. Et elle a reçu un appel venant de Cocos de Diamant où Cocos de Diamant lui proposait de multiplier son argent, de faire ci, de faire ça. Ils se sont échangés d'abord par message. Après, Cocos de Diamant a passé l'appel vidéo. Oui, j'ai un compte. N'importe quoi. Je soutiens ceux qui ont des projets. C'est pas facile. J'ai besoin de moyens financiers. Ah, ok. Malheureusement, il ne veut pas passer au table pour présenter tout ça parce que vraiment, vous pouvez voir ça en image là. Vous voyez que celle qui appelle même, l'image ne s'affiche pas. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la fille, comme vous pouvez lire là, que est-ce que Coqueuse de Diamant, même tu as vu son vrai visage, tu as vu que c'était vraiment elle. Elle me dit non. J'ai seulement entendu la voix, c'était la voix de Cocos de Diamant. Jusqu'à quand? Même les benguistes. Mais les benguistes, on croit même que ils sont même plus malins que nous. On vide ton compte. Je vous ai déjà dit ça ici combien de fois que évitez les messages qu'on envoie dans, parfois sur WhatsApp que MTN a envoyé 4 gigas gratuits. Clique sur le lien ici. Machin, clique. On vous envoie tous les belles messages comme ça là. On va sur une vidéo que quelqu'un a tué son mari. Une femme a tué son mari. Clique sur le lien si pour voir. Dès que tu cliques sur le lien, soit c'est ton compte qu'on vide, soit c'est ton Momo, soit c'est ton OM qu'on vide. Je vous ai déjà dit ça combien de fois ici. Voilà une menguise. Quelqu'un te contacte. Tu ne sais même pas qui te contacte. Donc tu as aussi entendu que Croqueuse de Diamant partage l'argent. Comment? Depuis quand? J'ai fait la vidéo aussi pour vous expliquer qu'il y a des gens qui se cachent derrière l'image de Croqueuse de Diamant pour vous arnaquer. Faites très attention. J'ai parlé ça plusieurs fois ici. Faites très attention. Ce n'est jamais une Croqueuse de Diamant. Comment quelqu'un te dit qu'il va t'aider? Il te demande d'abord de si tu as un compte bancaire pour faire le virement. On t'envoie le link. Clique ici. Tu cliques sur quoi? Quelqu'un veut t'envoyer l'argent, tu ne connais pas la procédure, comment quelqu'un vit faire le virement dans ton compte. Tu es en bain, Croqueuse de Diamant au Cameroun, non, elle au Cameroun, elle t'aide, toi qui es en bain. Toi qui es en bain, elle au Cameroun, elle t'aide, toi qui es en bain. Les amis, réfléchissez un peu. Ça, c'est pour le reste des personnes là, réfléchissez bien. Parce que les arnaqueurs là sont dehors comme ça là. Ça, c'est une parenthèse. J'ai à parler aux gens si de quoi ou c'est jeu au hasard fatigué que ne me contactez pour ce qu'on est rien. Je ne suis pas là pour encourager les jeunes à se noyer dans ces histoires comme ça là. Je n'ai pas d'intérêt dans cette histoire. Je vais commencer maintenant que quelqu'un va maintenant m'écrire avec pour ces conneries ici. Je vais seulement balancer ça sur ma page. Ne m'écrivez plus pour ça. Je ne suis pas là pour induire les jeunes en erreur. Je suis là pour demander aux jeunes de travailler. Parce que c'est le travail qui paye. Le Njambo, il ne va jamais encourager un jeune à aller jouer au Njambo. Je dis, je ne vais jamais encourager un jeune à aller jouer au Njambo. Travaillez, couler la sueur pour gagner vos vies, les gars. Là, maintenant, je vais chuter maintenant par répondre à certaines personnes. Vous étiez nombreux à me conseiller. J'ai compris que mes deux dernières vidéos ont vraiment touché certaines personnes qui ont beaucoup d'amour pour moi. Les gens sont venus, même qu'ils ont en commenté, mais me dit, Franco, tu t'exposes. Franchement, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu t'attires les ennemis. Les gens vont te tuer. Les gens vont faire ci sur tes enfants. Les gens. Je voudrais dire ceci. Je dis, c'est pourquoi je ne peux pas écrire à chaque personne. Je parle là pour que vous compreniez vraiment dans l'ensemble. Les gars, ça fait bientôt 4 ans que je fais des vidéos. Que j'attaque peut-être les trucs comme ça. Je suis en liberté. Je n'ai même jamais eu une convocation au commissariat. Ça veut dire que je contrôle ce que je fais et ce que je dis.
s'il vous plaît, soufflez de me comprendre. J'ai dû vous dire encore merci pour vos conseils, mais je vous supplie de comprendre ce qu'on appelle les réseaux sociaux, le buzz, les gars. Malox ne me calcule pas, même pas un centime. J'étais chez Malox voir. Malox, on a dit à Malox que j'étais là. Malox a accepté qu'il venait, qu'on devait se saluer. Malox ne me calcule même pas mon temps. Mon boss est arrivé au Cameroun, on devait aller chez Claudel Nobissi le saluer. Or, malheureusement, comme il était venu avec TV, ou c'était pour faire quoi, il y a eu un contretemps, on n'est plus allé. Moi, je devais aller saluer Claudel, qui est mon. Je n'ai pas de problème avec Claudel Nobissi. Je n'ai pas de problème avec tous ceux que je parle d'eux. Tout ça, c'est les beurs. Je n'entre pas dans la vie privée de quelqu'un. Donc, en somme, les amis, comprenez qu'on ne clash pas tout le monde. Nous, on a les cibles. Nous, on clash ceux qu'on sait qu'ils ne peuvent même pas nous calculer. Que rien ne peut nous arriver. Vous pensez qu'il n'a pas peur de la mort. Même mouton qu'on avait clashé un temps là, on se retrouvait là-bas quand Kadji est tombé, le camion Kadji est tombé quelque part là-bas à Yaoundé. On se retrouvait là-bas ensemble, non? Il y a eu quoi? Il a même contacté sur eBay. Il a dit que tu es un fou. On a causé, on a ri. Il n'y a rien. Personne ne me calcule. Ne vous inquiétez même pas pour l'autre. La personne d'eux ne me calcule. Personne. Parce qu'ils savent que c'est le truc de Facebook. Ça reste sur Facebook, les gars. Même ce dernier truc avec Gâteau International. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui ont filé Gâteau International? Allez le filmer en train de faire même sa lessive, en train de faire des trucs, des ménages, machin, trucs. Filmer même où il vit. M'envoyer. Tout simplement parce qu'il veut que je le clash. Mais je ne parle pas des choses qui ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux. Même Croco de Diamant, vous voyez que vous dites chaque jour que j'ai son mal et tout ça. Il y a beaucoup de vérités comme je ne sais pas si les vérités sont les mensonges. Les gens qui sont même proches, qui font des trucs, qui m'envoient des choses, que voilà les plombs, m'envoient des tonnes de trucs. Tant que ce n'est pas sur Facebook, je ne suis pas là. J'ai parlé, il y a un milliardaire illettré. Est-ce que vous savez que les gens qui sont avec il y a des milliardaires illettrés, ses proches, on envoie les images que quand ils voyageaient pour tel ceci, qu'ils faisaient les têtes pour que je continue à l'exposer. Je n'expose pas la vie privée de quelqu'un. Vous connaissez le business de Malox. Vous connaissez vraiment ce que Malox fait pour lui, que ça lui donne beaucoup d'argent. Vous pensez sur le boivement et la musique. Je ne peux pas venir parler de la vie. Les gens m'ont envoyé toutes les informations sur Malox. Mais ça ne me sert à rien, je ne peux pas. Ça, c'est dans la mesure où je parle. Franchement, Malon va dire que le petit ici va très loin. C'est où il va vouloir me faire du mal. Mais les petits trucs qui se retrouvent sur Facebook, on fait nos choses sur Facebook, tout ça, ça reste sur Facebook. Je vous dis tous les jours, ne mettez pas trop les organes, je vous explique si vous ne comprenez pas. Moi, j'explique tout ça pour les fans parce que je peux marcher en regardant mes gifles. Sans même savoir que Malon même n'est même pas au courant. N'est même pas par rapport à ça. Lui, il suit ri parce qu'il sait ce que je fais. Donc ne mettez plus trop les organes que Franco, personne ne peut me faire du mal, les gars, personne. Pourquoi? Il y a des gens qui m'ont appelé eBay comme ça pour leur problème particulier. Problème de terrain, problème de ceci, telle personne a poignardé tel. Moi j'ai dit que je n'entre pas dans les problèmes privés, dans les problèmes des gens. Je n'entre pas là-dedans. Parce que je sais que si j'attaque ici, c'est ma mort. Il y a notre tété là, qui est un gaz depuis, non? Il y a eu tellement de vidéos sur la toile, on pouvait donner beaucoup de vues. Vous m'avez vu un jour parler de ça. Parce que ce n'est pas mon couloir, ce n'est pas mon niveau là-bas. Je parle de ça, je sais que c'est ma tombe que j'ouvre. On est venu prendre l'exemple que tel journaliste a fait si on a fait ça. Non! Moi, je contrôle ce qui sort de ma bouche. Personne ne va jamais attaquer mes enfants. Pourquoi? Que j'ai fait quoi de mauvais? Les petits trucs qu'on vient parler sur Facebook comme ça là. Déjà, les petits trucs là, les trucs, les buzz négatifs même. C'est ce que vous aimez. J'ai parlé, j'ai fait la publicité du bar de Malox. Jusqu'aujourd'hui, c'est à 40 000 vues. Mais dès qu'on dit que oh, Malox, c'est ceci, Malox, c'est cela, le négatif. En deux jours, on est à 200 000 vues. Dès que j'ai fait la vidéo où je parlais de bien sur Croco de Diamant, jusqu'aujourd'hui, c'est à 11 000 vues. Mais dès que j'ai fait une vidéo, on dit que oh, Croco de Diamant, Andem, ah, ben si. En un jour, on va être à 150 000 vues. Vous comprenez que vous-même, vous aimez le négatif. Vous aimez le négatif. Et justement, parce que vous aimez ce qui est négatif, que moi je viens seulement et m'accroche que sur ce qui est négatif, là, je parle de ça. Mais c'est ce qui me trouve sur Facebook. Vous pensez que même ceux qui ne s'exposent pas à leur vie là n'ont pas de problème. Ceux qui passent autant à danser avec leur ventre sur Facebook, partout, on a vu. Et elles ont accouché normalement. Parce qu'elles n'attaquent pas la vie privée des personnes. Tant que tu n'attaques pas quelqu'un dans son intimité, il ne peut pas te calculer. Les trucs de Facebook là, c'est basta.
Il regarde, il rit aussi quand vous vous riez, regardez, vous riez là. Donc, ma vie n'est jamais en insécurité. Ceux qui disent qu'on va me calculer, on ne peut, personne ne peut me calculer. Parce que moi, je ne fais du mal à personne. Même ces gens-là aiment quand je parle de combat parce que ça augmente aussi leur audience. Vous pensez que c'est tout le monde qui connaît Malon, c'est tout le monde qui connaît Claudel, c'est tout le monde qui connaît Illettré, c'est tout le monde qui connaît Wigat. Quand tu parles, ceux qui ne les connaissaient pas les découvrent aussi. Vous comprenez un peu, non, les amis? Donc, comprenez un peu dans ce sens-là. Je n'ai rien exposé et rien, personne ne peut vouloir mon mal. Personne! Parce que je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes. Je n'attaque personne. Si j'entre dans la vie de privé de quelqu'un, ok, dans ce cas, la personne. Coucou du diamant, on m'envoie les informations comme ça. Sachez, quand je parle de quelqu'un directement, dans les 2 jours, j'ai parlé du petit taulier. J'ai toutes les informations déjà sur ton petit taulier ici à Yaoundé. Jusqu'à connaître le garage où le petit travaille. Connaître tous les problèmes qu'il a même eu avec son ancien manager. Mais je ne vais pas venir parler de ça ici. Ça, ce n'est même pas retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est comme de eBay. Un jour, peut-être que je vais avoir le temps qui arrive chez Taulier. Je vais lui dire que qu'est-ce qui s'est passé. S'il peut parler, tant mieux. Mais je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire qu'on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non. On contrôle ce qu'on dit. Moi, je vous dis ça parce que les jeunes qui sont en train de suivre notre exemple pour venir aussi sur les réseaux sociaux, sachez qu'il y a les choses, quand vous dites directement, c'est un connegui. Soit c'est directement, c'est dans la tombe. Donc, contrôlez ce que vous dites. Je contrôle ce qui sort de ma bouche. Je contrôle ce que je parle. Les gens font même leurs vidéos avec leurs enfants tous les jours. Ils jouent partout chez eux, partout là-bas. Rien ne les arrive. Les gens présentent tous leurs fils, ça présente même où ils dorment. Rien ne les arrive. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'attaquent pas les gens. Parce qu'ils n'entrent pas dans la vie privée, ils n'attaquent pas l'intimité des gens. Moi, je n'attaque pas l'intimité de quelqu'un. Je suis allé me voir chez Moussi le charismatique. Moussi le charismatique est venu me saluer. On s'est bien salué. Donc, il ne me calcule même pas. Pourtant, j'ai fait les buzz. Même sur son casting, j'avais dit que, oh, oh, c'était même avant ça. Quand j'ai même vu Moussi, j'ai dit que, oh, je suis que le gars là va dire que, oh, comme il avait clashé sur son casting, il ne va pas avoir mon temps. Il est venu me saluer, j'étais chez lui. Voir. Wow. Comme je ne vais pas constamment manger chez lui, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. On fait nos buzz, nos shows sur Facebook, ça reste sur Facebook. Mais la réalité, c'est sur le terrain, c'est autre chose. J'espère que c'est bien clair maintenant, les gars. Passez une bonne journée. Bon début de semaine, les gars. Ciao, c'était le général Franco. Abonnez-vous, hein, et partagez cette vidéo. Je vous l'offre mal seulement. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.